Attends, est-ce que si je me mettais comme ça pour jouer au jeu, je pense que c'est bien parce que vous êtes avant tout là pour moi, pas pour le jeu, non, n'est-ce pas? Alors on va faire une nouvelle game, nouvelle run, c'est parti. Pourquoi pas un petit The Lost? Non. Imagine, il y a des gens qui arrivent comme ça sur le stream et qui sont juste en mode, c'est un connard, mais qu'est-ce qu'il prend? Pourquoi il est si gros? Bonjour et bienvenue sur ce stream. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle run, Isaac. Faut que je me pousse un peu pour que vous puissiez voir l'écran. Aujourd'hui on va faire une run Keeper. On va aller dans Mother, on va essayer de faire Mother. Voilà, donc Keeper, c'est lui là. Hein. Comme vous pouvez le voir, la seule chose qui manque pour terminer la feuille de Keeper, c'est d'avoir fait Mother. Mother, c'est une route incroyablement chiante. Et je vais vous regarder dans les yeux, comme ça c'est encore pire. Mother, c'est une route incroyablement chiante que je n'ai pas faite. C'est pas pour rien, parce qu'il y a un boss extrêmement chiant, c'est-à-dire Mother. Il y a aussi des routes qu'il faut prendre qui sont extrêmement chiantes et longues. Comme vous pouvez le voir, il commence avec 3 cœurs. Ça, il est pas très rapide. Hein. C'est un pied, si jamais vous vous demandez. Et ça, c'est une attaque qui commence avec un triple. Le shot incroyable. Voilà, c'est moi le professeur de Isaac. Bonjour à tous. Cette vanne est trop longue. C'est bon, j'arrête. On aurait bien commencé avec un item potable hein, quand même, pitié. Hein. Et bientôt, je vais enlever le relâche la pression. Hein. Au final, ma chaîne va devenir une chaîne nulle à chier. Vous aurez plus le droit à rien. C'est une dictature ici. Oh, poison tears, incroyable. Ok, bon, c'est bon. On commence avec un bon truc là pour une fois. Black Candle, on va le prendre parce que flemme. Remarque, non, pas Black Candle. C'est mieux qu'on prenne Carbattery. Ça fait que ça nous utilise deux fois notre item en une fois. Vu que c'est un pourcentage de chance de faire spawn des pièces à tout moment, ça en fait spawn deux ou une seule. C'est-à-dire que dans tous les cas, je pense avoir H24 des pièces. Ce qui est plutôt pas mal. Eh, tricheuse! On n'aime pas les tricheurs ici. Ouh, deux pièces. J'aime bien. Ah, par contre, les Poison Tears, c'est incroyable. Hein. Oh! Nul. Très déçu. Oh, moins déçu! Oh, mais j'ai pu... Une sacrifice. Tu fais spawn des mouches quand je prends des dégâts, incroyable. Il y a une sacrifice! C'est incroyable. Ok, l'île Delirium, sympathique. On va aller chercher des pièces, là, pour de la vie. Au moins, on a l'île Delirium, c'est pas mal. Hein. C'est pas le meilleur, hein, très honnêtement. Cette run va nous mener à des endroits incroyables. Au moins, ça nous fait 28 balles. Hein. On a eu une Angel Room aussi. C'est pas mal du tout aussi. Oh, déjà, on va prendre ça aussi. En vrai, l'île Delirium, c'est un familier qui se transforme en tous les familiers existants. Très souvent, il fait comme a dit Léo, c'est-à-dire acte de présence, c'est-à-dire qu'il ne sert pas à grand-chose. Mais voilà quoi. Oh, waouh, incroyable. Incroyable ce... Putain, trop content. Et c'est rare qu'il soit très utile. Encore. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ça part pour une run qui va durer 1000 ans. On va essayer de casser le jeu. Ok, on se prend des gars là-dessus et je termine le stream. Pareil, là, du coup, ça fait chier, hein, parce que c'est vraiment l'acte de présence, quoi. Au pire des cas, il peut m'aider. Voilà, un petit bloat en allié, ça fait plaisir. Ça l'active deux fois! Attends, en fait, non, c'est incroyable! Ça nous fait deux déliriums! Ah, j'hésite. Hein. Ouais, mais la vie en plus. Non, on va regarder ça, on va regarder ça. Il est temps d'arrêter de me donner des activables, hein. Pitié. C'est pas que ça me fait chier, hein, mais ça me fait chier quand même. Voilà, là par exemple, là ça va être utile. En le mangeant, ça va nous faire un petit stat-up normalement. Ouais, mais là, la secrète... Oh, incroyable. Incroyable, deux même. On détruit ça, et Magic Mush. C'est dommage. Un jour. Ok, c'est quoi le boss? Oh non! Voilà, voilà, par exemple, l'acte de présence de l'île Delirium, hein, qui ne sert à rien, littéralement. Ah, mais don't mind me, I'm just doing the act of the presence, hein. English. Hop! Voilà. Ah. Delirium, ça pourrait être très bien. Non, hey, tu sais quoi? Non, non, non. On va aller récupérer nos pièces, là, ça nous fait énormément d'argent. Vas-y, on tente la curse, hein. Allez, à tout moment, on meurt et c'est fini. D'accord, super. Ça pour ça. Allez, on est dans la cacatière, super. Oh non, mais les boss de la cacatière, c'est chiant les boss de la cacatière. C'est cacatière. Ah, hashtag blague, hashtag clown, on rigole. Hey, item de ouf. Oh, Yolison. J'aime bien Yolison. Là-dedans, des bombes, parfait. Des bombes, des bombes, des bombes, je suis riche. Encore une petite sacrifice, là, pitié. Oh, l'enfer, j'avais oublié qu'ils existaient. J'aurais bien aimé les oublier jusqu'à la fin du monde et ne jamais avoir affaire à eux. Ok, c'est bon. Ouais, après il rigole, c'est ça. Voilà, il rigole.
Elle fait rire. Voilà, et là il tire la chasse et c'est chiant. Ah, vous avez compris parce que c'est un caca, genre. Hashtag humour. Hashtag drôle. Hashtag drôle. Carrément, c'est même plus un hashtag. Ça vient d'un allemand ancien. Hashtag. Je vous apprends des choses hein, sur ce stream. On a le A+. C'est pas fait toucher une seule fois. Brimstone. Oh. Or of Babylon. Et Judas Shadow, on va tester. Hein. J'aurais préféré avoir Brimstone, mais j'avoue bien que Brimstone apparaissait seulement quand j'avais pas la thune pour l'acheter. Alors attends. Pour Mother, ça peut être incroyable. C'est en faisant des dégâts aux ennemis que ça charge notre active item. Sauf que notre active item n'est que de une barre. Donc, ça peut être pas mal. Et il y a encore une sacrifice. Ah, mais j'ai ramassé toutes les pièces de l'étage. Là, c'est chiant, en fait. On va arnaquer le jeu, hein, je vous le jure. On a encore la clé à aller récupérer. La clé, le koutal. Donc, on va se faire masse de pièces là-dessus. Hein. C'est quoi le boss, déjà? C'était pas un boss très compliqué. Donc, en vrai, ça va se faire tranquille. D'accord, merci. Ok, donc on va pas ramasser ça maintenant. On va retourner dans le monde normal. Faire la sacrifice. Ah, ça va être très long, ça va être très long. Bienvenue sur ce stream de la manutention. D'accord, merci, très gentil. Et là, du coup, on retourne se tuer dans le feu. On retourne dans le monde des morts. On prend la pièce qui nous fait une vie. Donc là, on est full vie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le monde normal. Et on sacrifie nos cœurs. D'accord, très heureux d'avoir perdu ce cœur à cause de la bombe troll. On se fait le boss. Tac. Voilà pourquoi c'est incroyable cet item, c'est que pour les boss du coup ça nous fait de la vie assez rapidement. Oula, calme-toi. Littéralement. Oh, pas health up, incroyable. On n'a pas fini avec cet étage encore. À la fin ça va nous donner un truc de... Regardez ça. Et là. Beaucoup de pièces. Et c'est bon, on peut se casser. On a enfin terminé avec cet étage de mort. On est à Rose 2, donc là on peut aller là. Parfait. D'accord, j'ai adoré avoir le A+, qui a duré le total de 10 secondes. Tac. Oh là là, les thunes. Puis on se fait des couilles en or, les amis, je vous explique pas. On a bon bah fini, donc on va en profiter. Hein. Et une échelle de corde. Ici, dommage. Là-dedans. Oh là 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 là, mais comment c'est nul à chier. On va voir s'il y a pas mal de reroll, hein, parce que très honnêtement, Osef à balle. Hein. Du coup, oui, il y a quoi là-dedans? C'est de la merde. Hein. Ouais, des thunes. Oh non, chiant. Alors, ça me fait des thunes encore, hein, mais chiant quand même. C'est parti. Ouah, trop chiant ce boss. Ah, je disais, pour les boss, c'est incroyable, ça nous fait énormément de vie en plus. De pacte. Tears up, damage up. On va prendre les deux. Voilà, on se fait un petit brimstone. On va ramasser toutes les pièces qui nous restent dans l'étage et on se corse. Bah tant pis, on n'a pas de quoi reroll, hein, donc on va quand même prendre ça. Et attends, on n'a même pas eu la super secret encore. Hop, il y a quoi cette super secret? Un peu de thune en plus et une clé, c'est toujours ça de prix. Hein. Magic mush là. D'accord. Ah, mais ça, c'est un truc de ouf. Lock up, shot speed down. Ok, c'est pas grave. Pas grand chose intéressant pour l'instant hein, dans cet étage. Hein. Voilà, il va falloir se dépêcher de mourir. Merci. À tout moment, on se prend des gars nuls là-dessus. Hein. D'accord. On n'a pas tant d'items de folie en vrai. Hein. On a pas vraiment de combo de fou. On va d'abord se faire le boss. Non, parce qu'on n'a pas bombé le marchand. Mama méga. Oh non, attends. Déjà, le school bag. Merci. Ensuite. C'est incroyable, les Dove the Keeper. Toucher un ennemi à 5% de chance de se transformer en pièce. Sachant que la pièce, c'est ma vie. Regarde ça, ça a déjà transformé une pièce. 5% de chance, sachant que j'ai triple tiers, franchement. Moi, je dis oui. Oh, la pièce de 10. Oh là 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 là, mais attends. Incroyable. Oh oui! Pas mal, ça. Ça zappe les ennemis qui sont trop proches de moi. Là-haut, faut qu'on aille se faire Mother. Allez, c'est parti. C'est parti, on y arrive. Ouh. Au revoir maman. J'ai pas fait le boss. On a pas bombé l'autre cono. En plus j'ai dit que je faisais exprès d'aller là-bas pour le bomber, mais je l'ai pas bombé. Suis-je bête? Oui. Mais si je l'ai bombé en plus. Suis-je bête? Oui. 40% c'est 100%, n'est-ce pas? Oui. Oula. Ok, bah du coup, ça c'est... Arrête. Tiens. Incroyable. Incroyable. Mais pour Mother, ça va être incroyable. Je vais avoir plein de vie partout en fait. Bon, du tears up, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Ok.
Ok, ça ouvre la porte. Et on va ramasser toutes les autres pièces qu'on a semées partout dans l'étage. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Allez, c'est le moment, on se fait chier, c'est la balade, hein. On est plus dans Binding of Isaac, on est dans Death Stranding, là. Simulateur de marche, et voilà. Attends deux secondes, je prends juste Magic Mush là, et puis après... Non, elle était ici, pardon. Un jour, ça fera le début de la vidéo, le fait que je dis qu'il y a Magic Mush et que ce soit vraiment le cas. Un jour, je vous le jure. Allez, c'est parti. Oui, faut j'arrête de chanter les musiques aussi. Hein. Oh là! Enfer! Putain, l'enfer de cette pièce. Encore! Ok. Putain! Oh, comment c'est bénef d'y aller. Ok. Mon avidité me tuera. Ah quoi? Faites ça vous! D'accord. Pas de soucis alors. On dit qu'on fait comme ça. Je vous laisse faire. Hein. Oh! Score! Oui! C'est nul! C'est incroyablement nul à chier! T'en es presque à 99 de thunes. C'est quoi ça? Ça deal deux fois mes dégâts, plus 10. Elle s'utilise une pièce. Ça pourrait être fort, mais aux... Oh, ma voix, il fumait 10 paquets de clopes, là. Ah, super. On va prendre le fuck you. Sharpstro. Wouhou! Désolé. Oh, j'avais pas vu ça là-bas, le giga coffre. Il faut que je vole. Oh, pitié. Oh, faut aussi que j'aille aux toilettes. Ah, c'est le moment. Oh oui. Hijo. Oh oui. Hijo. Ah oui. Oui. Incroyable. On vole. On vole. Putain. Réalisation. On vole. On peut aller voir le méga coffre. Allez. Allez. Bon, c'est ça, on a 99 pièces, mais bon, c'est quand même pas mal. Et oui, c'est la limite. C'est la limite, 99. À part si t'as Keeper's Pocket qui fait que ça te limite à 999 au lieu de 99. Mais je l'ai pas. Enfin, je l'avais en début de run, il me semble. Du coup, j'ai un peu le seum de pas l'avoir pris. De toute façon, je crois que j'avais pas l'argent pour le prendre. Dans tous les cas... Joseph, quoi. Enfin, maintenant, on peut plus l'avoir dans tous les cas. Non, c'est qui? Non, c'est lui encore. Oh non, c'est celui qui nous a tué tout à l'heure. Mais comment tu veux que j'esquive ça, sérieux? Ah ouais, carrément. On a réussi. Je sais pas comment, mais on a réussi. On a pris qu'un seul des dégâts. C'est Monal Robes. Ouais, ça fait un damage up. Hein. My Shadow. Bah allez, on va prendre ça. Ça fait des... C'est quoi, on est... Et de toute façon, on a énormément de thunes à les ramasser là encore. C'est parti. On n'a pas eu la super secrète. On veut la super secrète. Hop. D'accord, tout ça pour ça. Très déçu. Allez, on se casse. Let's go. Si on fait Mom's Foot, petit rappel que bah après, on pourra plus revenir en arrière. Ah! Je sais pas d'où j'ai pris le dégât, mais je l'ai pris. 118 balles, hein, toujours pas mal. Il faudrait le chop. Ok. 20 ribs, c'est nul. Ça, c'est mieux. Nul à chier. Oh, plus nul. Ah, très honnêtement, on aurait pu s'en passer. Hein, c'est nul à chier. Oh, attends. Des deux... Womb 1, deux boss items. Et bien on va prendre ça. Ça va nous faire deux boss items. Et on va prendre ça. Ça va nous permettre d'aller directement dans le boss. Et let's go, hein, on peut y aller enfin. Et on va se faire Mother. Oh les dégâts. Oh, j'ai pas eu... Non, j'ai pas eu Devil Deal. Rien très déçu. Et dire que dans le jeu de base, en 2011, elle tirait pas. Hein. Oh putain, par contre, toutes les pièces que ça drop... Ah ouais, ça va être incroyable pour Mother. Hein. Ah, on va se faire de la vie H24. Hein. Et bah c'est parti, on se casse. Allez, c'est parti. Hop, et là du coup... Et bah là, on va utiliser ça pour avoir deux boss items. Du tears up. Et du speed up. On tire très rapidement. On est heureux. C'est un XL? Non, c'est un XL. Incroyable. Oh mais la vie que je me fais.
Oh là 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 là. Toute la vie qu'on se fait. Ah non, c'est pas XL. Ah mais non, j'ai rien dit. Non, c'est juste que la porte était sur la gauche. Voilà dedans. Tearsel, Spectral Tears. Et bah allez, ça part. On sort très rapidement. On est heureux. Elle. Non, je vais pas le prendre. Putain, ça sert à rien, c'est inutile. Oh, allez, un The Sun. Bon, ça, on est content. On peut directement aller voir les choses intéressantes au lieu de se faire chier. Oh là, bah là, je peux te dire qu'on va la. On va la milky. Hein. Putain, mais frère, c'est fou. Elle a pas envie. Très honnêtement, elle m'a gavé, hein. Voilà. M'a gavé. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, monsieur, il est temps de dropper des trucs, là, alors. Damage up. Ansus. Très sympa. Oh, une sacrifice. Vous savez ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Tu sais, on va même se faire l'ange. Voilà. C'est extrêmement rapide. Et tu sais quoi, on va même se refaire l'ange. Juste pour avoir des pièces. Voilà. The Hermit. Ok, ça peut être bien si jamais on est dans la merde. Pour Morda, pour se retaper en arrière. On va se laisser des pièces, hein, et puis bon, on va tenter. Allez, on y croit, hein. Allez, c'est parti. Isaac. Eh non, psych, mommy, c'est pas Isaac, là. Ok. Pas. Ouais, mais on drop tellement de pièces, en fait. On drop tellement de pièces. Aïe. 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 Encore eux qu'on drop des pièces, hein. Aïe. On drop tellement de pièces, on a vie infinie. Littéralement. Aïe. 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 D'aucun sens. Hop là. Hop là. Ça va, je te saoule pas trop. C'est un peu long, mais au moins on a bien fini, quoi. Aïe. Calme-toi quand même. Et bah voilà, c'est parfait. Incroyable, on a bloqué les couilles de Keepers grâce à cette run qui était totalement explosée. J'ai jamais eu autant d'argent et de pièces dans une seule run. On a enfin terminé la page de Keeper. Merci à tous.